Pourquoi les gens vont à la plage? Les filles veulent se faire des potes et les garçons? Les garçons, ils veulent juste faire les idiots. Toutes sortes de gens vont à la plage pour toutes sortes de raisons différentes. Il fait super beau dehors, c'est donc le moment idéal pour bronzer. Plus le soleil brille, mieux c'est. Mets-toi juste dans la bonne position. Hé, pourquoi mes aisselles reçoivent pas de soleil? Un fan de bronzage peut facilement transformer son short exprès en un string plutôt stylé. Je déteste avoir un bronzage inégal. Ils feront tout pour avoir un résultat parfait. Ils ont besoin que le soleil touche tout leur corps. Waouh, il est si souple! Peut-être qu'un réflecteur aidera? Et voici le résultat! Une peau bronzée? Enfin! Hé, hey, mesdemoiselles, regardez mon bronzage! Alors, impressionnée? Cette personne a toujours faim. Il croit que la plage, c'est la cafette ou quoi? Nager? Attends, j'ai pas encore mangé. D'ailleurs, y a pas de vendeur de maïs ici? Comment il peut avoir encore faim? Il a tout un sac de nourriture avec lui. Encore une saucisse et j'irai nager. Oh non, j'ai plus rien à manger? Non! Ah! Elles sont là, mes trésors. Miam miam miam! Y a rien de mieux que de déjeuner en nageant. Hé! Hey, arrêtez de m'éclabousser! Admettez-le, vous êtes juste jalouse, c'est ça? Tout le monde sait que si t'as pas posté de photo de toi à la plage, ça veut dire que t'y es pas vraiment allé. Mais pour certaines personnes, ça devient le point principal du voyage. On a besoin de contenu pour toute l'année. À vos marques, prêts, partez! Pour commencer, une photo au bord de la mer. Il manque quelque chose. Un côté estival. Sois pas surpris si elles ont apporté des accessoires. Montre de la passion! Allez, plus d'émotion! Quelle super photo! Et maintenant à moi! Je vais aller nager. Ah, je profite de la vie! Quelqu'un prend des photos? Je savais vraiment pas! Tout doit être aussi naturel que possible. Oh, c'est presque comme une pub pour du shampoing. Mais le résultat est très différent de ce qu'on avait imaginé. Alerte à Malibu n'a rien à leur envier. On dirait même que sa copine est un peu jalouse. Oups! Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as ruiné mon look! Ben on n'a pas dit que ça devait faire naturel? Être un farceur, c'est tout un état d'esprit. Ces farceurs ne changent pas leurs habitudes, même en vacances. Oups, y a quoi dans ton dos? Hein? Où ça? Haha, bonne blague! Ça doit être vraiment difficile d'avoir un farceur dans sa vie. Je vais aller nager. Donne-moi une serviette. Enfin, le calme et la tranquillité. Tu peux te détendre et te reposer. Et c'était une mauvaise idée. Le farceur revient sur le rivage. La victime s'est endormie? Pourquoi pas l'enterrer? Ça va être trop drôle. Oh hey, t'es déjà de retour? Mon chéri? Pourquoi t'es fâché? Je croyais que toutes les filles voulaient une plus grosse poitrine. J'en ai marre, je vais nager. Mais on peut pas arrêter le farceur comme ça. Tire sur la corde. Oh non! Oups! Où est mon bas de maillot? Ah, je l'ai trouvé! Continue de rigoler. Elle revient et ça, tu vas le regretter. Quand le soleil se couche, le dragueur part à la chasse. Vivre une histoire d'amour pendant l'été, c'est indispensable! Pourquoi d'autres les centres de vacances ont été inventés sinon?
La cible est repérée. Le chasseur est prêt. Salut bébé, quoi de neuf? Les filles aiment pas les gars insistants? Bouge d'ici, espèce de crétin! Mais tout le monde ne vient pas à la plage pour trouver l'âme sœur. Mais on peut pas l'arrêter! Miaou, bébé! Tu veux que je sois ton minou? Mon minou? Cette fille est allergique aux animaux. C'est encore un échec! Mais la clé, c'est d'être persévérant. Jamais 203! Bébé, t'es aussi belle que le coucher de soleil. Hein? Clairement, c'est pas sa soirée. Au lieu de trouver une partenaire, il trouve des ennuis. Aouh! Bon, partez. Vous me plaisez pas de toute façon. Tu sais ce que c'est la chose la plus cool quand on est un adulte en vacances? Tu peux aller nager autant que tu veux! Tes amis sont là? L'eau est trop bonne, venez me rejoindre! C'est bon, on s'est assez éclaboussé! Oh, tu fais trop froid! On devrait se réchauffer! Vous êtes un peu faible? Pourquoi on est potes déjà? Heureusement qu'un vrai nageur n'a besoin de personne. Dans sa vie passée, il devait être un requin. C'est presque surprenant qu'il n'ait pas encore de branchies d'ailleurs. Ses amis ont déjà fait leur sac pour rentrer à la maison. Et lui, il est toujours en train de barboter dans l'eau. Et il s'arrêtera pas là. Il ne sortira que quand il fera nuit. Mais seulement pour aller dormir. Et dès le petit matin? Cool! Je peux retourner nager! La plage, c'est un des meilleurs endroits pour se détendre. Le soleil chaud, le bruit des vagues. Pourquoi pas entrer en contact avec la nature et prendre un bain de soleil toute nue? Après tout, quand tu détends ton corps et ton âme, tu peux retrouver ta paix intérieure. D'autres personnes pourraient être choquées par contre. Wow, t'as vu ça? Mais une vraie nudiste s'en fiche. Vous regardez quoi? Vous avez jamais vu quelqu'un de tout nu avant ou quoi? Bougez de là, me dérangez pas. Laissez-moi me détendre. La plage, c'est un endroit hyper romantique et plein de couples heureux viennent ensemble ici. Quelle merveilleuse journée! Je suis tellement heureuse! On dirait les vacances parfaites! J'espère que je vais pas trop te manquer. Je reviens tout de suite. Mais comment elle pourrait ne pas me manquer? Je vais préparer une surprise pour mon âme sœur. Je t'aime! C'est trop mignon! Malheureusement, c'est pas le seul couple sur la plage. Et la dure réalité peut ruiner les plans des tourtereaux. Tout ça à cause d'un farceur stupide. Je te déteste? Oh non, mais tu m'as brisé le cœur! Ça a cassé le mien aussi? Quel cauchemar! Notre relation est en péril. Heureusement que les vrais âmes sœurs ne restent pas fâchés longtemps. Et à la fin, l'amour finit par l'emporter. Les gens viennent à la mer pour faire quoi? En effet, pour nager. Oh, mais pourquoi elle est si fraîche? Oh non, j'aime pas les douches froides. Mais je veux quand même nager. Et quand il fait froid, elles font quoi? Eh oui, elles s'habillent plus chaudement. Un legging thermique, des chaussettes, une veste et un bonnet. Je suis prêt à aller nager. Le froid, pff, ça m'a jamais dérangé de toute façon. Mais tu ne peux pas aller à l'encontre des lois de la nature. Ah waouh waouh waouh! Mais d'où vient ce vent glacial? Et pourquoi la veste me tient pas chaud? Elle a coûté une blinde!
Beaucoup de gens nagent dans l'océan, mais seuls les plus intelligents apportent des accessoires de bain. Un loofah, un gel douche et un bonnet de douche. Une baignoire géante rien que pour moi. Oups, pas seulement pour moi. Fais d'une pierre deux coups. Et c'est parfait. Tu peux nager tout en prenant ton bain. Hey, salut beau gosse. Maintenant, tu peux même aller à une soirée. Elle est où la fête? Nager sans matelas gonflable? Pourquoi faire ça? Ah, c'est tellement confortable! Dormir et nager, y a rien de mieux! Bien que parfois, dormir pendant la baignade, ça peut se finir par de sacrés ennuis. Au secours! Que quelqu'un m'aide! Et toi là-bas sur le rivage! Je me fais emporter au large! SOS! Si tu vois quelqu'un dans cette situation, appelle les sauveteurs! Certaines personnes sont toujours à l'affût. Après tout, le danger peut être partout. Surtout à la mer. Gare à vous les vagues, je vais vous attraper. La chose la plus importante pour un guerrier, c'est d'avoir des réflexes rapides. Prenez ça! Vous voulez me couler, hein? Vous avez attaqué la mauvaise personne. Ça y est, vous abandonnez. Mais bien sûr! Transforme cette mer agitée en une mer calme. Je suis un dompteur de vagues! Et maintenant, tu peux retourner sur la terre ferme. La mer devrait faire attention. Je suis venue ici pour gagner. T'as aimé notre vidéo sur les différents types de personnes à la plage? Comment t'as passé ton été? Est-ce que t'es parti en vacances? Dis-nous tout dans tes commentaires. N'oublie pas de lâcher ton like pour cette vidéo, de t'abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer de nouveaux sketchs sur Troom Troom.